Alors en fait, je rentre tout juste de vacances, on est quel jour là? On est samedi, et je suis rentrée lundi, et l'intervention ici a convenu pile à ma période de... En fait, je rentre en entraînement lundi, donc ça tombait justement, ça tombait parfaitement, et ça me fait du bien de, pendant la coupure, de me rapprocher des jeunes, parce que je trouve que c'est super important, c'est eux, on va dire, l'avenir de l'athlétisme. Et que ce soit des séances de dédicace, ça dure pas longtemps quoi, une signature c'est 2 secondes et l'enfant il est super content, donc des fois ça fait plaisir, après pas trop, donc j'en fais rarement, j'en fais peut-être 1 à 2 par an, mais c'est ça, 1 à 2 par an, mais voilà, donc c'est vraiment où je vais. La dernière j'ai fait Taverny, c'est tout je crois, et c'est tout, et cette année pour l'instant il n'y a qu'une boîte de prévu. C'est vrai que ça fait un peu loin de Paris, mais la journée était super bien organisée. C'était pas, voilà, je me suis dit que ça allait pas être le cafouillage. Ça allait pas être le cafouillage, et je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, juste avant de reprendre l'entraînement, ça fera une bonne dose d'énergie et de motivation pour reprendre l'entraînement lundi. À un jeune qui peut venir vous voir tout à l'heure en vous disant moi j'ai envie de faire de l'athlé, est-ce que je peux avoir un petit conseil? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Du courage. Du courage pour tenir les entraînements, parce que bon, c'est un sport extérieur, donc c'est pas forcément facile de courir sous la pluie, sous le froid, enfin voilà, faut s'armer, mais quand on est très motivé, je pense que voilà, l'année elle passe super vite. Après, arrive en compétition, quand on voit qu'on bat nos records petit à petit ou qu'on saute de plus en plus loin, bah, ça fait toujours plaisir et ça donne encore plus de motivation pour revenir le lendemain à l'entraînement. Donc voilà, du courage et ça va aller petit à petit.